Et bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec la Ligue Celtique en multi, toujours avec Damned et Tiberians. Salut les gars! Salut! Yo! Et du coup, bah on se retrouve et on reprend tout de suite hein, parce qu'il n'y a pas de raison de traîner. Oui, ne Alors, traînons qu'est-ce pas. qu'on faisait? On faisait des revendications sur des gens, bah ouais, faisons ça. J'ai envie de dire, puis sur ça aussi, c'est parti. Infiltration au Brésil portugais, oui, enfin, ça, par contre on s'en tamponne totalement. Revenez les gars, putain mais on a encore un marchand qui fout rien, bordel. Quand même, le Brésil portugais. Bah ici là. Ouais, transfert, ouais. Transfert, transfert mec. On est à 0%, mais on est au fond du gouffre au niveau de l'institution, c'est un truc de malade. Moi, c'est au niveau de la religion que je suis au fond du coup. Je suis à 6% d'unité religieuse, quoi. 6%? Ah ouais, non, mais là, c'est. Ah ouais, ça c'est le drame, 6%. Ça va devenir. Je crois pas avoir jamais eu 6%, tu vois. Bah là, ça va devenir doucement tendu, quoi. Putain, puis le Pérou, il me file du blé, mais alors l'inflation, c'est la teuf. Il me faudra absolument un mec pour Alors, s'occuper de je sais ça. pas. Je sais pas si vous l'avez vu, l'histoire du développement via les colons, hein, mais. Ouais, j'en suis Je pas l'ai occupé, moi. pas tenté encore. Bah moi Bah, en fait, quoi. j'avais tenté et ça coûte le prix d'une colonie quoi. Ah Bah ouais. ouais, mais ça comment? Enfin moi typiquement dans mon cas là, maintenant que j'ai deux colonies fonctionnelles dans le Nouveau Monde, je me demande. Bah, ça peut Parce se que mes tenter, troupes elles me hein. servent à que dalle. Hein. Ça Elles peut se servent à rien, tenter, ne servent à hein. rien mes troupes. Après, Ouais, je pense je pas que ça pense fasse que. avancer l'institution, par contre. Ah oui, bah ça non, ça c'est baisé l'institution, ça n'avancera pas plus vite, mais. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus, bah il faudrait tester en fait, c'est juste ça. L'air de rien, on est quand même à plus 17 par mois avec l'armée payée. Sans l'armée, on est à plus Ah 20. ouais, putain, c'est pas mal, hein. T'as Plus 20, des. on commence à engranger du pognon, quelque chose de bien. Moi, je peux toujours pas payer mon armée, moi. Ah, j'ai plein de trucs de découvert, c'est quoi? Développement d'industrie du parfum au Danemark, ok. C'est de la En merde, même temps, mon mes nobles ne éditeur. sont pas loyaux, donc forcément, hein, ça gueule un peu. Vous, là, vous pourriez pas faire quelque chose, là? Non, que dalle, hein. Ils ont tellement pas d'influence, mes ordres, je peux rien leur demander, quoi. Il sert à rien. C'est ça. Alors, il nous faut une nouvelle doctrine, par contre. Hein. Une On a beaucoup de révolte! Eh points. putain. Ça faisait longtemps. Marchand plus sain, portée commerciale, on s'en fout un peu, honnêtement. C'est Une tout de sa ça, les gens. révolte. Non, elle est aux dans les indigènes là-bas? Chez Ouais, les indigènes? enfin, c'est pas des indigènes, hein, c'est des révoltés à moi. Ouais. Ouais, bon, peu importe. Mais voilà. C'est pas ici, quoi. Oui, c'est ça. Corruption annuelle, c'est un peu de la merde. Je vais lui envoyer 20 bateaux à Lübeck, il va perdre du pognon, ça va lui faire Ah, tellement de bien. l'Espagne a rejoint la Ligue catholique. Ah putain, mais tous nos alliés vont être dedans, c'est la France qui va nous tomber dessus parce que personne ne sera là pour nous défendre, quoi. Bon bah du coup, je prends la doctrine de qualité totalement gratuitement. L'Église d'Écosse. L'Écosse n'aura aucune autre chance de se convertir à l'anglicanisme. Ouais, j'ai refusé, j'ai viré. C'est peut-être bien, mais quand j'ai mis, j'ai même pas eu envie de lire. J'ai mis le curseur dessus, j'ai vu plein de trucs rouges, j'ai dit allez, c'est bon, j'envoie, je dégage. Cassez-vous. Ok, on est monté à 4% à Lübeck, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Ouais, je sais pas ce que ça fait Alors. l'anglicanisme, il y a peut-être des gens qui vont me dire t'aurais dû le faire, mais Bah, tant c'est une pis. nouvelle religion, quoi. Hein, Ouais, que j'ai jamais testé, mais c'est pas aujourd'hui que j'ai envie de la tester, donc voilà. Il n'y a aucun problème. Non, non, mais je Alors. préviens. Les La mecs, on France a repense. rejoint la Ligue protestante! Qu'est-ce qu'on fait? Attends, elle est pas encore en guerre là. Non, mais elle a rejoint! Et de l'autre côté, on a l'Espagne. Alors, est-ce qu'on se barre côté catholique et on essaie de créer un gros truc ou est-ce qu'on s'en fout? Ah non, non, on s'en fout parce que si on se barre côté catholique, on va se retrouver en guerre et on gagnera rien à la fin. D'accord. Donc on les Enfin, en laisse tout cas, de faire mon et point de vue, hein, nous. on les laisse faire et quand ils seront en guerre, on leur tombera dessus, quoi. On les Très laisse bien. couler. Ok. Voilà. Bon bah voilà, faut savoir qu'en tout cas l'Espagne et la France vont s'affronter. Ok, bah On peut en profiter. c'est On une peut en bonne nouvelle. profiter. Ouais, c'est ça. C'est plutôt une très très Bah, bonne nouvelle même. je pense que ça devrait pas tarder à péter à mon avis, mais
Les gros ont rejoint. Je vais rappeler un diplomate et je vais essayer de... J'espère qu'ils nous attendent pas. Allez mec, t'es parti, tu vas essayer de développer ça. On n'a plus aucun colon qui bosse là. Mais on peut payer l'armée quand on a aucun colon qui bosse. Ah merde, j'ai fait une rébellion, j'ai oublié. En avant. Toi. En avant, en avant. Allez. Est-ce qu'on a moyen d'aller directement sur notre pays de là, là? Ces bâtards, ils ont osé. Les rebelles ont osé poser le bonnet traditionnel irlandais. Oh, les veulent. Allez, vassal, fais des revendications. Pauvre nul. On a peut-être déjà d'ailleurs des revendications. Bah, je vais arrêter de faire le tour du monde, hein. J'ai l'impression que ça sert pas grand chose. À part on est en trêve contre eux. À part ça fait 6 bateaux que je coule. On est pas en trêve contre eux. Ah, ah ouais, en plus. Grosse question quoi. Je t'ai vu construire plein de bateaux, effectivement, c'est pour qu'ils partent et qu'ils coulent. Ouais, c'est juste relou, on va arrêter ça. Une révolte à Caen, putain, c'est pas là que je l'attendais. 26 000 hommes, oh la vache. Ah putain. Non mais ça, c'est oui, censé j'arrive, péter. J'arrive. C'est censé péter à l'Anjou quoi, pas à Caen, bordel de merde. Ouais, enfin ça change pas grand chose, faut que je vienne à la fin quoi. Non, Anjou normalement je pouvais gérer tout seul. C'était prévu. Ah. Bon, bah, j'arrive à Caen. Ouais. J'apprécierais. Ah bah c'est bien, j'ai un événement, voyons la cavalerie chargée. Combattit la cavalerie plus 5%, ça tombe bien. Ah c'est pas si mal hein, chaque mois le mec il a 26% de 1 le niveau de la province. C'est quand même pas complètement moche hein. C'est bah un ouais, peu lagué donc pas j'ai vrai. Pas compris mais j'ai compris. T'avais un oui, mec aussi, qui, ouais. qui faisait des choses. Bah c'est son colon qui, a ah, oui, le colon. Un peu plus de 20% de chance c'est ça. 20%, 26% de chance par mois d'augmenter le niveau ouais, de la province. Ouais c'est ça. Ha. Je peux recommencer à convertir ma première province réformée. Allez, c'est le début. La fin du c'est début. Parti. Bah écoute, si t'es prêt, on leur saute dessus. Allez, attends, 2 secondes. Je prends mon commandant, parce que je l'ai laissé là-bas. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Oui, oui, c'est ah bon. Oui. Allez, là, ça dégage. On a ah terminé. Tiens, en armor, ça a pété, tant qu'à faire. Ouais, ouais, on a un morceau. Oh là 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 là. Ah, quel nid à merde. Attendez, attendez, je me pose 2 secondes parce que j'ai terminé les doctrines. J'ai terminé le catholicon, ok. Et j'ai terminé les doctrines expansionnistes. Je vais enfin pouvoir prendre une foutue politique. Vous me coûtez cher, moi, un homme. Je viens de lancer la construction d'une usine de sel. C'est parti. C'était excellent. Probabilité de limite découverte automatique quand une colonie. C'est quoi ce truc là? Province limitrophe découverte automatique quand une colonie est fondée. Ah pfff, non, on s'en fout. Wow. Oh, ça vend tellement du rêve. Rien à foutre, quoi. C'est ouf. Allez, on bute ces cons, voilà. Je vais enfin pouvoir commencer à avoir une vraie armée, par contre, ça c'est cool, parce que ça commençait à faire longtemps, là. Il est temps, ouais. J'arrive. On en a marre de passer de l'Écosse à l'Irlande et de l'Irlande à la Bretagne, mais... Bon, j'ai que ça à faire, tu me diras, mais... À perdre des hommes. Allez hop, à l'UDAC aussi, vous là. Faites du pognon, les gars. On va taxer un peu les Danois, ça va leur faire du bien. Tu me dis quand tu lances l'assaut, j'arrive. Bah écoute, c'est parti. Alors ici, c'est adopter le commerce mondial, parfait. Hop, on va mettre ça. J'ai l'impression de laguer par contre. C'est assez particulier. Alors nous. Sur la vitesse 3, moi ça me fait pareil, moi. C'est pas ça qui est ça encore. 300 ducats, enfin 230 ducats ou 50 points admin. Je sais pas. Moi, depuis qu'on est en vitesse 3, je sais pas si depuis le nouveau DLC, mais à chaque fois j'ai l'impression de laguer en fait en vitesse 3, c'est très bizarre. Hein. Ouais, ouais, moi aussi là, j'ai l'impression que ça tire un petit peu plus qu'avant. Hein. Ouais. On a 50 points sur le pape, on va prendre la dîme immédiatement. Voilà. Troubadour itinérant, gain de 1 en stab ou. Ouais, non, gain de 1 en stab. Brabant ne me considère plus comme son rival, genre je suis devenu trop petit pour le Brabant quoi. Ou alors je suis devenu trop gros. Je ne sais la pas. Blague. Ouais, peut-être plutôt trop gros non. Je pense, ouais. Allez, il reste plus que l'Anjou à péter là, et après.
On aura terminé avec ces cons de réformés. Hein ? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Réformer quelqu'un ici ? Bah, on peut pas faire grand-chose, un peu, c'est ça qui est triste. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est complètement qu'on défonce ces types, par contre. Bah, à part ça aussi, on attend que ça pète, quoi. Clairement. Reviens, toi. On va aller taper sur les... Comment ils s'appellent ? Les Cajamarca. Les Cajamarca, voilà, c'est ça. Les Cajamarca. Les calamars. Ah, on peut prendre une tech. Fuck. On perd de l'innovation. Là, c'est beaucoup trop cher de prendre une tech maintenant. Enfin, ouais, pour moi, mais on peut prendre l'institution. Attends, je vais mettre pause pour analyser la situation 2 secondes. Mais les gens, ils peuvent prendre l'institution. Je sais pas comment ils font, quoi. Sérieusement. Ah bah, j'ai payé. Pas chez nous, quoi. C'est ouf, quoi. J'ai payé pour pouvoir la prendre. Qu'est-ce que vous croyez ? Ouais, je trouve ça complètement fou. Ah bah, moi, je peux payer aussi. J'ai une province, mais bon, 1300 pièces d'or va crever, quoi. Moi, il faut que je paye 600. Faudrait que je prenne un emprunt et je pourrais le faire. On va le faire, hein. Mmh. Allez, peut-être 2 emprunts, allez, c'est parti. Ce sera le Pérez qui remboursera les emprunts. Le Pérez. Oh, moi, je suis pas si pressé que ça, donc. Non, moi je veux pas perdre l'innovation. On est une nation innovante, nous. Ouais, alors l'innovation. Ah. Ouais, voilà, moi aussi, hein. Une autre fois. Ouais, l'innovation, on repassera. Ouais. Bah, vous voulez carrément. Faire un échange de connaissances, peut-être ? Fais-le avec Tibbs, moi c'est déjà adopté à Londres, la capitale, ça doit être bien avancé aussi. Oui, moi je veux bien, oui, parce que c'est très très long, je veux bien échanger. T'as un diplomate ou pas encore ? J'ai un diplomate, ouais, je vais te demander. Ouais, sinon le mien arrive dans 20 jours. Nous sommes la devenus Bretagne, une grande puissance, waouh. La classe. Je vois pas c'est où par contre. Olivier. Hop là. Je peux pas proposer parce que... Ah oui, c'est à toi de proposer. C'est à moi de proposer, alors attends. Ah ouais, parce que moi, ils nous disent qu'on est... C'est vrai que trop... On n'est pas... Proposer un partage de connaissances. Par contre, il va falloir que tu payes, hein. Ouais, je vais payer. Ça m'arrangera parce 3,86, que moi, je suis un peu dans le beige. 3,86, c'est pas trop violent. Allez, on a reconverti Co. Moi, allez-vous faire foutre. Faudrait quand même vraiment qu'on attaque le Danemark. Bah pareil, hein, je pense que dès que la guerre des Ligues sera démarrée, faudra qu'on y aille. La Suède ne veut pas y aller, parce qu'ils sont en trêve. Par contre, dès qu'ils sont plus en trêve, ils y vont. L'Espagne fait habile. Un peu la gueule. Parfait, notre dirigeant est habile. C'est agréable. Alors toi, si je te déclare la guerre... Ouais, ah on non, va faire pas, ça. Hein. Pas le moment de perdre les revendications contre la France, fais chier. Les mecs, lâchez-moi un général, non, vous voulez pas ? Ah, fais chier. Bon, bah, du coup, on va prendre notre conquistador des familles, hein, tant pis. Et on va déclarer la guerre à ces cons. C'est parti. Ah merde, j'ai pas réussi à les choper, malheureusement. Commerce intercolonial, qu'est-ce que c'est que ça ? Pas rentable du tout. Est-ce alors que attends. J'ai des territoires vraiment de merde ? Perte de 1 en mercantilisme, ah ouais. Ou gain de 10% en inspiration à la liberté aux Pereds. Non, on va... Leurs intérêts sont les nôtres, bien sûr. C'est évident. Alors on est en guerre contre ça, du coup. Hein. Ouais. Politique gratuite disponible, je suis désolé les gars, non quoi. Ah oui, t'es déjà plus dans les grandes puissances, putain, c'était rapide hein. Oh, il est passé, non, il est reparti. Je me suis absenté une seconde. Oui, la Toscane là qui a fait une accélération. On est passé à 2,8 sur la capitale. Très très rentable. Ah bah tu m'étonnes. Désolé mec, j'avais pas vu que tu te faisais attaquer, du coup je vais aller buter tes attaquants. Le talent étranger, ça fait quoi ça ? Bon, on va prendre ce siège, ça sera 300 fait. 300 ducats, 5 en professionnalisme de l'armée. Pour 300 ducats, là maintenant, non. C'est pas possible. Vraiment pas. Je suis désolé, mais... Mais non.
Mais ça semble être une idée de merde. Oh, tous ces marchands. Où est-ce qu'on n'a pas de marchands? Ici, on n'a pas de marchands encore. Il y a déjà beaucoup qui... Ça va où, ça? Ça va là? Ouais, ça va là. On a perdu nos raisons de conquête contre les Hurons. Bon, tant pis. Ici, c'est toujours trop loin. Cela dit, on pourra toujours les attaquer. Pour aller là, allez. Ali, Alinois. Ah, l'ère des absolutismes, chers amis. Parfait. Alors, nation multiculturelle, c'est pas le cas. Grande armée, c'est carrément pas le cas. Et le reste, bah, c'est pas le cas. Voilà. Ouais, cinq cultures différentes. La réforme. Ah, ça t'a mis un event? Bah, en fait, ça m'a fait mission menée à bien. Fallait pas qu'on soit en découverte ni en réforme, que mon idée religieuse soit à 100%, et que j'ai mené la mission d'Aveyron. Donc, ça me donnait 50 points puissance administrative et tolérance à la seule fois plus 2. Bon. Pendant un temps, voilà. Et pour le prochain, il faut que j'ai 3 universités. Ah, par contre, ça c'est pas mal. Pendant 20 ans, moins 5 en coût des technologies, moins 5 en coût des doctrines. Ouais, j'ai des trucs comme ça aussi. Avoir des universités et tout. Ouais, c'est ça, bah voilà. Je peux forcer je peux former la nation française. Ouais. Ah bon? Mais non, il faut que la France disparaisse quand même. Ouais, faut que la France disparaisse, ouais. Évidemment. Hein. Ne nous emballons pas. J'ai ça qui est apparu comme. Je croyais que t'allais voir le roi de France et tu dis non, en fait, la France c'est moi, et hop. Maintenant, c'est le look at me. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est moi, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi là. I am. Là. Quand même ça. Pas. Et là, tout bleu devient gris, quoi. Et là, tu fais ouais. Bon, il a encore envoyé des troupes là-bas. Ça coûte cher la conversion des bateaux, putain. À l'amélioration. Allez, bateau de commerce, 600 pièces d'or. Bon. Bah, grâce à Tiberians, on peut payer notre armée, ça fait plaisir. Mais tout le plaisir est pour moi. Alors ça, c'est l'armée de Kiss. Quel chez Kiss? C'est eux, non? Kito, merde. Ah, le dernier truc de Doctrine Exploration, ça modifie les limites navales. Ah ouais, putain, c'est pas mal, ça. Ah, c'est con, les Kalcha Kiss. Putain. Oh putain, c'est 70 pour calomnier les marchands, c'est tellement long. C'est abusé. Ah ouais, c'est la violence, ce truc-là. Calomnier les marchands, c'est super, super long. Allez, on va rembourser un emprunt. Ah bah du coup, comme la flotte des Indes vient d'arriver, on va rembourser un deuxième emprunt. Mais comment vous faites? Moi, j'ai pas de flotte des Indes. Moi, ils filent du pognon chaque mois, mais y'a pas de flotte des Indes. Bah moi, y a que Perais qui a la flotte des Indes. Putain, hein. Je sais pas pourquoi, c'est nappe, mais... quoi. Le Colombre et la Plata à crêpes, y a pas de flotte des Indes. Hein. Je m'y fais pas. La Plata à crêpes, tout à fait. Ah mais j'adore, hein, c'est... Oui, on peut convertir. On peut convertir quand? Les Cherokees se sont libérés. What? Les Cherokees se sont libérés. Et pourquoi? Bah parce que j'en sais rien, ils sont rebellés et puis ils sont libérés. T'as d'ailleurs, pas pu gérer leur rebelle. Le commerce mondial, il avance bien la Plata à crêpes, hein. Pouf. Je suis très déçu. Bah c'est normal, je l'ai adopté, je pensais pour ça. Sérieusement les gars, là, vous me cassez les couilles. Alors du coup, vous allez vous fermer votre gueule et on va ramener des troupes là. Ah, what? Il nous a appelé à l'aide dans la guerre de la Ligue protestante, l'Autriche. Il vous a appelé. Ah, il nous a appelé. Oui. Il nous a appelé. Contre Milan, Brabant, Poméranie, Ravensbourg, Lunebourg, Palatinat, Gueldre, Dithmarck, Magdebourg, Nuremberg, la Bavière, Brême, Winterberg, Wurtzbourg, Riga, Danemark, Cordes-Livonie. L'Autriche est du côté de l'Espagne. Ouais, complètement. Oui, bah heureusement. Contre la France. Contre la France, contre les Ottomans, contre le Danemark. Ah ouais, bah, moi je pense que vous devriez y aller. Le problème, c'est que si on le fait, on va rien pouvoir prendre, quoi. Alors que si on refuse et qu'on attaque derrière la France en fouine... Vous allez mettre fin à la... comment? À la guerre, peut-être. Ouais. Ça, c'est bien. Oh putain, ça va faire mal. ça va violemment piquer, ouais. Moi, j'ai peut-être profité en douce pour attaquer des gens, aussi. Ouais, c'est clair, c'est un peu la question que je me pose. C'est si on n'y va pas, bon, certes, oui, on va perdre en prestige. Vous allez rompre tout. Des alliances, vous allez faire en... Enfin, vous allez perdre vos tous les points de confiance envers vos alliés, ça va être le drame si vous y allez pas. Ouais.
Bon, moi je dis ça, je dis rien. Mais... Ouais. À mon avis, vous avez pas trop le choix. Bon. Parce main dans là, la main. Il y a énormément de personnes qui sont quand même dans la guerre. Hein. Si jamais vous refusez à ce moment-là, la confiance en la Bretagne et l'Écosse en Europe. Bon, niveau bateau, je pense que je devrais pouvoir gérer. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas, je peux financer un peu. Mais pas trop, mais un peu. Mais discrètement, hein, par contre. Mais discrètement, bien sûr. D'ailleurs, ouais. j'ai des banques. Si vous pillez ou vous savez pas où mettre l'or, j'ai les banques. c'est gentil de ta part. Bon, cher Breton, main dans la main. Ah ouais, bah moi c'est parti là. Hein. C'est beau. Cette camaraderie. Oh. Ah, t'emploierais. Démontrer la supériorité, c'est parti. La plata à crêpes est aux côtés de l'Espagne dans la liste. C'est beau. Ah, ça va être la bataille. Ouais. Grosse bataille. Donc moi j'en étais où là? J'en étais à essayer de faire des revendications sur le Brabant parce que c'est qu'un sale canard. Ouais, alors par contre il va vraiment falloir un deuxième général là parce que ça va pas être possible. Donc on va le recruter tant pis. Bon bah vitesse 4, vous en pensez quoi? Ouais, bah, 5 s'il te plaît même. Bien, ouais. 5? Ça me paraît bien 5. Bah ma connexion va tomber si on fait ça je pense. Déjà quand on monte la 3, c'est déjà tendu. Entrepôt commercial, ouais. Eh bah écoutez, ouais, je serais pas contre une petite vitesse 2 parce qu'en plus je vais devoir gérer deux guerres de front là. Donc oui, vas-y, mets la vitesse 2. Bah, je peux pas changer la vitesse. Bon, bah. Un petit impôt de guerre indirect. Hein, bah voilà. Voilà, les deux bateaux français qui viennent s'empaler sur moi, c'est pour commencer. Voilà. Bataille navale terminée, quige. Il y a des petites batailles ici et là. Alors n'hésite pas à ramener tes bateaux auprès des miens si tu veux qu'on fasse une grosse flotte. Ouais. J'en ai 72 hein. J'en ai 20 moi, ils sont où tiens, ils sont là. 72. Ouais, ils sont au port pour moi. Ah bah oui, par contre. Il y a le Brabant qui va m'intercepter. Ouais, alors on va voir ça. Oui. Attends. 2 secondes. T'as même pas besoin de moi, Ryan. Ouais, bah j'en ai quand même 20 des bateaux, ça va. Contre 5 navires de commerce, facile. Je pense qu'il y a moyen. Tu peux m'attacher à toi. Ah, 19 bateaux danois contre moi, tiens. Ouais, voilà. on est là aussi. On va lui apprendre la vie aux danois. Après, on fait des 1, il fait des 9, quoi, donc ça joue. Bon. Nous avons adopté. Je m'attache à toi. Hein. Putain, je suis de nouveau en fight. Non, je suis passé sur la province d'après, je suis de nouveau en fight contre Geldre. Merde, c'est bon. Parfait ça. On va y arriver. Allez, viens sur un port là, Norfolk. Tiens, allez, hop. Voilà, ou Essex. T'es Essex, très bien, j'arrive. Bouge plus. Ouais, mais je peux plus m'attacher par contre. Bien. Ah, si t'es là, voilà, c'est bon, je suis attaché à toi. Je suis là, ça devrait être bon. Je suis attaché à toi. Alors, du coup, il va falloir que je gère dans les colonies parce qu'on est en guerre contre toute la France là aussi. Dont ces colonies. Et oui. Voilà, c'est tout. Je suis un autre amiral parce qu'il était pourri celui-là. Voilà, c'est bon. Et du coup. France occupe le Bordelais. Ah bah ouais, forcément. Alors la France, elle a quoi sur le terrain? 2000 hommes. Ouais, ok, on va peut-être aller s'en occuper quand même. Oh, quand tu dézoomes, t'as dézoomé un petit coup pour montrer non, le nombre de fourmis. Non, mais c'est... Enfin, il suffit de regarder sur la minimap, quoi. C'est la fête absolue. Ah bah j'ai dézoomé, c'est impressionnant. Oh là 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 là. Bon, l'avantage, c'est qu'on a popé un très très bon général. 5-2 choc le mec quand même. Ah ouais, c'est violent. Là, en fait, c'est une guerre mondiale. Ah, c'est au moins une guerre européenne, ouais. Bien européenne. Ah oui, européenne, t'as quand même les Ottomans, ça se frite aussi. Qu'est-ce qu'il fait là ce con? Ah non! Toutes les colonies, c'est plus que. 30 000 Français qui ont tombé dessus, putain, d'où ils sortent ces cons. Pendant ce temps-là, en Irlande, les gens fêtaient des trucs dans les bars. Je vais essayer de débarquer avec mes troupes. Ouais, je pense que j'en avoir besoin parce qu'elle va m'écraser encore la France là. Les Space Marines français, fidèles à eux-mêmes. Cassez-vous les gars. Voilà, repliez-vous derrière les forts, ce sera appréciable. Ah, marchand libre, c'est vrai. Marchand libre. La tech ou la doctrine hein. Marchand libre. Ouais, non, la tech, clairement la tech. Choc de la cavalerie. La tech. Ah, tu leur sautes dessus, Cash. Fais gaffe, il y a 30 000 hommes qui arrivent. Je peux pas te rejoindre, fais chier. Bah, on va voir ce que ça donne. Hein. Oh la baffe que j'ai pris direct, c'est incroyable. Mais là, je pense que t'aurais dû débarquer de mon côté des forts. Hein. Ouais. Pourtant, ils sont 16 et je suis 16. Hein. Mais. C'est incroyable la puissance, quoi.
Allez, je vais descendre. Ah bah les Français affronter, c'est la misère. Je vais descendre du côté de l'Espagne. La vraie misère. Tu devrais faire pareil. Descendre où? Moi, je vais descendre du côté de l'Espagne. Ah, mais je peux pas passer, il y a des forts français. Ah merde, oui, t'as raison. Ah bah, ils vont me tomber dessus, ils vont me stack wipe, c'est sûr. Oh, bah les gens alors. C'est pas sérieux tout ça. À mon avis. Putain, mais... Ouais, puis avec ces deux guerres, ces guerres sur les deux fronts, je me galère tellement. Il faut que je fasse une paix avec ces cons, là. Oh putain, avec le Brabant et tout, là. Oh là 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 là. Ça marche pas terrible, le développement via les... Comment ? Via les colons. Via les colons, là. Ouais, parce que c'est, mon truc, c'est marqué 47%, il est là depuis un an. À 47%, il a augmenté de 1 depuis un an, donc foutez-vous de ma gueule, quoi. Ah oui, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas terrible. Alors, on va essayer de sauver 10 000 hommes avec les bateaux, hein. C'est ce que je vous disais. Pareil. Peut-être qu'il y a eu un souci et qu'en fait, c'est un par an. Peut-être, parce ouais. Parce un par mois, j'y crois pas un instant. Oh, mais non, on a pris un emprunt, genre à l'instant où la flotte des Indes est tombée. Vous déconnez, les gars, remboursez-moi cet emprunt. Quelle tristesse. En même temps, on est à moins 16 par mois, hein. Forcément, ça joue. Attends, je vais faire une petite chose, tu m'excuses. Où c'est ouais, qu'est-ce qu'il fout, ce con. Je te demande le mouillage, ça me permettra de gagner quelques secondes pour sauver des troupes, c'est toujours ça de prix. Ouais. Mais moi je pense qu'il va falloir laisser les gens dans ce cliffhanger en fait. Ouais complètement, parce qu'il va falloir qu'on arrête l'épisode là. Ouais. L'avantage c'est qu'ils galèrent à prendre mes forts et ça c'est cool. Alors moi je me rends pas bien compte hein, du coup vu que je suis pas trop emmerdé mais... Bah c'est la merde. Je compatis. C'est la mer noire. Globalement hein, je pense qu'on peut dire ça, c'est la merde. Ouais en plus faut absolument que j'en termine avec cette putain de guerre du coup dans le nouveau monde parce qu'elle me fait chier plus qu'autre chose au final. Et du coup, bah, on va s'arrêter là, avant que je ne fasse durer parce que je papote. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que vous êtes pressés de voir ce petit fourmillement de rouge disparaître dans le vide intersidéral. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, aller voir le point de vue de Tiberian sur sa chaîne, et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci. Bye bye.